marché, on trouve des semences de plantes qui sont des hybrides, on appelle ça les hybrides F1 en général, qui ne sont pas reproductibles et dont les critères de sélection pour obtenir le légume en question, par exemple, ne sont pas forcément ni le goût, ni les qualités nutritionnelles, mais ça sera le fait de pouvoir les transporter, les stocker, etc. Les semences que nous on propose, c'est des semences qui sont issues de ce patrimoine commun, qui sont reproductibles, à l'inverse d'un hybride F1, et qui sont, elles, sélectionnées précisément pour des qualités qui seront plus, qui auront plus à voir avec justement l'alimentation, le goût, etc. Tout le travail qu'on est en train de faire, et on espère qu'on le fait pour le futur justement, pour les générations qui viennent aussi, c'est de faire prendre conscience au public, pas seulement que c'est bien de protéger une plante ou de la reproduire, mais qu'il s'agit de ressources de vie, et que les ressources de vie, précisément, on ne peut pas s'en passer. C'est d'anciennes variétés. Qui sont vendus pour qu'on puisse les repropager, parce qu'autrement on n'a plus que quelques variétés de fruits et de légumes, alors que maintenant, grâce à des associations comme Ressources, on va avoir un beaucoup plus large choix de variétés qu'on a.